Bonjour à tous, on poursuit les cours de Shabbat à propos de l'électricité à Shabbat. On va prendre le premier exemple, c'est l'ascenseur. Donc bien sûr, on n'a pas le droit de prendre l'ascenseur régulier à Shabbat, appeler l'ascenseur, puisque quand on allume un bouton où il y a de l'électricité, c'est considéré comme si on allume du feu à Shabbat. Et donc c'est une des 39 melachot, donc les 39 œuvres qui sont interdites à Shabbat. Par contre, il existe aujourd'hui une fonction Shabbat qu'on met dans les ascenseurs, ce qui donne que l'ascenseur s'arrête à chaque étage. Et elle patiente à peu près 30 secondes ou une minute pour permettre aux gens de rentrer et descendre dans l'étage où il faut. Cette idée, elle est permise à Shabbat pour les gens qui sont faibles, par exemple une personne âgée, ou même une jeune maman avec un bébé au bras, ils ont le droit de prendre cet ascenseur sans problème. La même chose pour les tapis roulants, dans des endroits où il faut longer des longs couloirs, on a le droit de prendre le tapis roulant. Pour les personnes faibles. Un autre point d'électricité à Shabbat, c'est dans les endroits où il y a des caméras automatiques, des caméras de sécurité. Et donc, à chaque fois qu'on passe là-bas, la caméra enregistre, filme la personne qui passe. Ceci est permis à Shabbat, puisque inattentionnellement, la personne marche pour aller chez elle et la caméra s'allume, donc c'est un acte qui est involontaire et c'est moutard Shabbat. Prochain cours, Bezrat Hashem, on parlera du frigidaire à Shabbat avec la lumière qui s'allume, etc. Tout ce qui entoure Shabbat Shabbat.